Maîtresse Lily Lola, YouTube. Lily Lola Style pour Instagram. N'oubliez pas. Mouah! Bonjour les copines, bonjour les copains. C'est quoi ça? Ciseaux? Est-ce qu'on dit un ciseau? Ou bien une ciseau? On dit le ciseau ou bien la ciseau? Et c'est pour ça qu'on doit apprendre féminin et masculin. Et c'est quoi la différence entre féminin et masculin? Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous êtes prêts? On commence! Le genre. Chaque mot a un genre. Masculin ou féminin? Un garçon, c'est un nom masculin. Une fille, c'est un nom féminin. Devant chaque mot masculin, on met un ou le. Et devant chaque mot féminin, on met une O là. Les articles féminins. Une. La. Elle. Les articles masculins. Un, le, il. Voyons ensemble si un mot est masculin. Au féminin. Citron masculin. Au féminin, c'est masculin. On dit un citron, le citron. Poule, féminin ou masculin? C'est féminin parce qu'elle pond les œufs. Une poule, la poule. Féminin ou masculin? C'est masculin parce qu'il ne pond pas les œufs. Un coq, le coq. Lapin, masculin ou féminin?
masculin. Le lapin, un lapin. Vache, elle nous donne du lait, donc c'est féminin. La vache, une vache. Lit, féminin ou masculin? C'est masculin. Un lit, le lit. Chaise, masculin ou féminin? Féminin. Une chaise, la chaise. Bravo! Bravo, bravo! Complète les phrases avec un ou une. La première phrase, le chat est espace félin. Deuxième phrase, j'aimerais manger espace pomme. Bravo, la première phrase qu'on dit, le chat est un félin. Et la deuxième phrase, on dit, j'aimerais manger une pomme. Je remplace le mot souligné par il ou elle. La première phrase, Lily prépare le repas. La deuxième phrase, le papa lit le journal. Les mots, c'est Lily et le papa. Elle prépare le repas. Il lit le journal. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Alors, c'est un ciseau, bien sûr. Un stylo. Le cahier. Une robe. Et une table. Et n'oubliez pas, pouce en l'air, abonnez-vous dans ma chaîne Maîtresse Lily Lola. Oui! Maîtresse Lily Lola YouTube. Lily Lola Style pour Instagram. N'oubliez pas! Mouah!